1989, il abrite institutions régionales, organismes culturels et économiques. La renommée de Limoges est liée aux arts du feu et le plus ancien d'entre eux ayant acquis ses lettres de noblesse, c'est l'émail. Les émaux de Limoges font l'admiration des visiteurs des plus grands musées du monde, comme au Louvre à Paris, à Madrid, à Londres, à Saint-Pétersbourg, à New York ou encore au Vatican. C'est ici que les premiers édifices chrétiens sont implantés autour du 4e siècle. Marquant le cœur de la cité, l'actuelle cathédrale Saint-Étienne s'élève à cet emplacement. Devant ce monument, pourrait-on soupçonner un chantier de 6 siècles? Commencé au 13e et achevé au 19e, l'édifice bâti dans la pierre du pays, le granit, est de style gothique. D'est en ouest, soit de gauche vers la droite, se déclinent le chœur et ses chapelles rayonnantes, le portail Saint-Jean, la nef et le clocher. En fait, celui-ci n'est-il pas décoiffé? Où est passée sa flèche? Les gargouilles n'ont-elles pas la réponse? Eh bien, si vous pouviez vous approcher, les gargouilles vous diraient que c'est la foudre qui a détruit sa flèche. Vous avez envie de pousser les portes de la cathédrale? Laissez-vous impressionner par l'espace voûté d'ogives, son mobilier et son décor. Vous suivrez alors les pas des fidèles, de pèlerins et d'illustres personnages comme Richard Cœur de Lion, sacré ici au XIIe siècle, duc d'Aquitaine, accompagné de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Au rez-de-chaussée, l'artisan, le commerçant
vous invite depuis des siècles à marchander, à chier, à vous divertir ou à prendre l'air. Au-dessus, les façades en moellons de pierre, en de bois et torchis, s'élèvent jusqu'au niveau des greniers à Clairvoix, utilisés autrefois comme séchoirs. Alignées le long de la place marchande triangulaire, les maisons gardent en elles les murmures et les clameurs d'hier et d'aujourd'hui. Sous nos pieds, un mot de souterrain de calme et de pensez à nos aînés. Un culte naît sur le tombeau de Saint-Martial, devient un haut lieu de pèlerinage et un produit culturel et religieux. Par les chants polyphoniques, les enluminures, la riche production des mots et d'enfèvrement, l'abbaye Saint-Martial de Limoges rayonne dans toute l'Aquitaine du 2e au 14e siècle. À la même époque, les troubadours de l'amour. Sur votre gauche, poursuivons avec ce fameux Saint-Pierre qui, du haut de son église, vous invite à décrypter son clocher. Nous arrivons maintenant au pavillon du Verdurier, dont nous reparlerons dans quelques instants. Mais sachez qu'à l'époque, se trouvaient ici de nombreux vergers. Regardons un peu autour de nous. À droite, un ancien central téléphonique. L'architecte a joué avec la brique pour constituer le décor. L'édifice a d'ailleurs reçu le label Patrimoine architectural du XXe siècle. Toujours sur notre droite, nous laissons une chapelle toute en pierre, typique de l'architecture jésuite du XVIIe siècle. Alors, pour info, vous n'avez que la façade de la chapelle derrière, était le gymnase de ce lycée. Donc ça sert à rien d'essayer d'ouvrir, ça ne s'ouvrira pas. À gauche, cet ancien entrepôt frigorifique est aujourd'hui un pavillon d'exposition unique en son genre, dont l'originalité, voulue par l'architecte Montier après la Première Guerre mondiale, consiste en des façades recouvertes de grès flammé et en un dôme de cuivre coiffé d'un lanterneau. Nous voici à nouveau devant la cathédrale Saint-Pierre, sur votre droite. Regardez la flèche encadrée de clochetons. C'est ainsi qu'au XIIIe siècle, les bâtisseurs font les clochers de Limoges. Et on ne les trouve qu'ici. Alors, c'est une église, la cathédrale, on est passé tout à l'heure devant. Alors, je reviens à ce bâtiment sur votre gauche. Comme vous avez pu l'entendre, on nous dit que c'était un entrepôt frigorifique. Alors, pourquoi un entrepôt frigorifique dans Limoges? Eh bien, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, Limoges et sa région ont manqué de viande. Alors, c'est un comble pour une terre limousine. C'était déjà des viandes qui nous étaient donc importées d'Argentine et ensuite dispatchées sur les différentes boucheries de la ville et de sa région.
Et si vous avez pu regarder son dôme, là, de ce pavillon des Verduriers, eh bien, vous verriez d'énormes similitudes avec le dôme de la gare de Limoges. Alors, c'est normal, parce que c'est le même architecte, Roger Gontier. Et ensuite, ce bâtiment a été donc une gare routière où les bus se mettaient dans le contrebas. Michel, un nouveau lieu de rassemblement des organisations syndicales est édifié en 1936. C'est la maison du peuple. La décoration intérieure représente des scènes de travail ouvrier. Cette rue reste étroite parce que son tracé est ancien. Aujourd'hui, elle s'anime tout particulièrement en soirée avec ses bars et ses restaurants. Bientôt retrouver le boulevard Louis Blanc, emprunté tout à l'heure. Le zinc domine les toitures d'ardoise, les médaillons de mosaïque dorée et les statues de part et d'autre de l'horloge honorent quant à eux personnalités locales et art limougeaux. Ornant le square devant l'hôtel de ville est un bel exemple de l'usage de la porcelaine dans l'espace public. Ces deux bassins et le vase qui la surmonte sont naturellement en porcelaine de Limoges. L'ensemble a été conçu à la fin du 19e siècle avec la participation des élèves de l'école des arts décoratifs de Limoges. Les œuvres ont appris à maîtriser le feu et l'eau et aujourd'hui, ce monument emblématique représente le savoir-faire. Il illustre à la perfection une aventure technique et artistique dont nous allons reparler un peu plus tard. Ma petite dame, laissez-vous tenter par un ou deux petits ventres, ou bien quelques couilles de mouton. Ça va vous changer de l'ordinaire. Oh Léonard, veux-tu pousser des chiens pour que la dame elle vienne m'acheter du bon boudin aux châtaignes, tout frais de ce matin? Dans ce quartier de la Boucherie, les maisons en pierre et pans de bois ornent les rues de leurs façades étroites et hautes, avec ici et là des barres de crochets pour suspendre des pièces de viande. La chapelle Saint-Aurélien, édifiée au XVe siècle au cœur de ce quartier, témoigne de la ferveur des bouchers organisés en confrérie. Elle s'est par son architecture et son format. De plan rectangulaire, elle est surmontée d'un clocher à bulbe recouvert de bardeaux de châtaignier.
Regardez, sur votre droite, vous allez voir là, un magnifique trompe-l'œil sur la façade. Et on en reparlera tout à l'heure dans les commentaires miroirs, vous l'aurez vu. Une croix en calcaire s'élève également à droite de la porte principale. Les bouchers se sont implantés dans ce quartier au XIIe siècle, à l'intérieur de la ville fortifiée. Au final, ils forment un véritable village dans la ville. Au numéro 36, une maison attend votre visite. Elle s'appelle d'ailleurs la maison de la boucherie. Amis gourmands, ne manquez pas de revenir dans cette rue à la frérie des petits ventres le 3e vendredi d'octobre. Cette fête attire plus de 10 000 personnes dans une ambiance joyeuse et gastronomique. Vous découvrirez les spécialités limousines, grillons, pâté de pommes de terre, boudin, clafoutis et foignardes, le tout arrosé du cidre limousin. Et si vous préférez déguster du bœuf limousin, faites-nous confiance, nous avons de bonnes adresses. Et là, dans l'angle, vous regarderez, dans l'angle de la pharmacie et du salon de coiffure, vous aurez ici les vestiges d'une des dernières portes du château de Limoges. Alors, c'est vraiment des vestiges. C'est dans l'angle, vous voyez, ça fait la demi-lune. Écoutez les commentaires, on nous dit que le peintre impressionniste Auguste Renoir est né à Limoges. Eh bien oui, il est né exactement là où se trouve la poubelle verte sur votre gauche, au numéro 71. Soit du terroir ou d'ailleurs, et de casser la croûte dans un des petits restaurants. Originalité de cet édifice, classé monument historique, 328 carreaux de porcelaine qui ornent sa partie supérieure. Oui, monsieur dame, 328, j'ai vérifié en personne. Tous différents, ces carreaux évoquent les produits vendus au hall. Dites-moi, voyez-vous le clocher de Saint-Michel-des-Lyons? Allez, je vous laisse chercher. Au-dessus de la locomotive. Et c'est pas du tout la question du dernier, hein, le dernier joli four qui reste là-bas.
sont des anciens industriels, des passionnés d'industrie, fabricants de fours ou alors ben, tout simplement fabricants de porcelaine ou ayant eu des aïeux dans cette histoire-là, qui vont ensemble s'unir, créer une association qui s'appellera Espace Porcelaine et du coup faire classer le four Picasso comme monument historique. Donc il est classé monument historique depuis 86. À partir de là, ben, grosse restauration du lieu, hein. Le four en lui-même va bien, mais vous voyez, on voit qu'il y a certains planchers qui ont pris la flamme, d'autres qui sont un peu plus clairs, hein, juste au-dessus de nous. Et par la suite, il va falloir aussi apprendre à le valoriser. Au tout début, c'est que ça ouvert seulement sur visite guidée, il y a à peu près une dizaine d'années. Un premier emploi associatif est créé, du coup le musée s'ouvre toute l'année. Là maintenant, on est deux employés à l'année pour faire vivre ce musée. Faire vivre ce musée, valoriser le four, c'est quoi? Ben, c'est des expositions temporaires, toujours revoir la collection permanente de photographies, faire beaucoup de visites guidées en général évidemment. On fait aussi des livres depuis l'année dernière, hein, on essaie de sortir un livre par an sur l'histoire de la porcelaine. Donc, l'année dernière, c'était sur une des premières grandes familles artisans de la porcelaine de Limoges. Cette année, c'est plus précisément sur des photographies d'archives de toutes les femmes qui ont travaillé dans ces manufactures de porcelaine, dans les écoles d'art décoratif, etc. On n'aura pas le temps pour cette visite d'évoquer vraiment l'exposition temporaire, mais je pourrais évidemment détailler les petites choses si vous avez des questions. Non, non, non.
garde 108 victorières, virées. Thank you.
Je suis arrivé l'après-midi, voilà, ça va être chiant.
traverser jonction double. Donc, non, c'est tout à l'heure les trois. C'est les mêmes
Je vois. Thank you.
C'est vrai, on va voir comment du coup sera le viaduc. Ouais. Normalement, de ce côté. Normalement, là, il y a un point. On peut pas le voir, le fer. Non, on peut pas le voir, là. Il y a le... Il faut mettre les gabelles à chauffer. Vous avez connu la commanderie, l'agent de circulation. Il y avait une voie de l'autre côté. Même ici, on est en train de la forêt là.
dans une voiture. Ouais, on est dans une tête, donc là on va se réchauffer. Ouais. Ouais.